Bienvenue. Cette vidéo est destinée aux élèves de la 4e année primaire. Unité didactique 5, thème la forêt, semaine 3. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle séance de lecture. L'objectif est identifier et lire un texte injonctif. Prêt pour ta leçon? Alors, c'est parti! Regarde cette image. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des ordures? Une poubelle? Des arbres? Une forêt? Quel est le titre du texte qu'on va lire? Très bien. Le titre du texte est « Protégeons la forêt ». D'après l'image et le titre, à ton avis, de quoi on va parler dans ce texte? De la pollution de la forêt? De la protection de la forêt? On saura la réponse en lisant le texte. Je vais lire. Écoute-moi bien. Protégeons la forêt. Nous avons la chance d'avoir de belles forêts. Ce sont les poumons verts de la terre. Malheureusement, elles sont souvent menacées. Agissons donc pour protéger nos forêts. Voici quelques actions que nous pouvons faire. Évitons d'allumer le feu dans la forêt. Mettons les ordures dans les poubelles. Respectons les sentiers réservés pour la marche. Ne cassons pas les branches d'arbres. Cherchons les mots difficiles. Tu as trouvé quoi? Moi, j'ai trouvé les mots poumon, menacé, ordure et sentier. On va expliquer ces mots. Poumon, ce sont les organes de la respiration. Menacé, mise en danger. Ordures, des saletés, des déchets. Sentier, le sentier est un chemin étroit qui nous permet de marcher sans écraser les plantes dans la forêt. Que veut dire l'auteur par cette phrase? Les forêts sont les poumons verts de la terre. Il veut dire que les forêts constituent un lieu de vie pour les animaux, que les forêts nous permettent de respirer de l'air ou les forêts nous donnent du bois. Oui, très bien. Il veut dire que les forêts nous permettent de respirer de l'air. Maintenant, c'est à toi de lire le texte. Et en lisant, tu relèves les actions citées pour protéger la forêt. Tu les as relevés? Vérifie si ta réponse est juste. Les actions citées pour protéger la forêt sont: éviter d'allumer le feu dans la forêt, mettre les ordures dans les poubelles,
respecter les sentiers réservés pour la marche, ne pas casser les branches d'arbres. Lisons ensemble maintenant. Protégeons la forêt. Nous avons la chance d'avoir de belles forêts. Ce sont les poumons verts de la terre. Malheureusement, elles sont souvent menacées. Agissons donc pour protéger nos forêts. Voici quelques actions que nous pouvons faire. Évitons d'allumer le feu dans la forêt. Mettons les ordures dans les poubelles. Respectons les sentiers réservés pour la marche. Ne cassons pas les branches d'arbres. Tu as fait du bon travail, cher élève. Je te laisse te préparer pour la prochaine séance. Cherche d'autres actions qu'on peut faire pour protéger la forêt. Au revoir et à la prochaine.